Et salut tout le monde, je me fais attaquer quand vous pouvez voir. Et donc c'est parti pour le PVP. Et voilà, cette vermine a été exterminée immédiatement. Hein. Voilà, c'est parti, il y a du PVP. Donc j'ai exactement activé la vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. Donc voilà, donc un mec m'a attaqué alors que je suis tank. En plus, il y a un healer à côté qui m'aide. Hein. Donc... Ah, il y a un mec, Francis, qui est là. Donc là, je le mets, vous pouvez voir. Donc là, j'attends tranquillement. Et là, je fais un souffle de feu sur lui. Et voilà, c'est tout. Ça va commencer. Ah, monsieur fuit, hein. C'est une fuir à point. Alors voilà, donc là, il est mort déjà. On n'a plus qu'à attendre. 1, 2, 1, 0. Adieu, Jimmy. Alors on va exterminer tout le monde hein, parce que là je me suis fait attaquer hein. Donc obligatoirement il faut répondre à cette attaque. Moi je les attends hein. Les mecs qui arrivent à me tuer. Ah bah tiens, il y a un autre mec ici. Attention. Hop, t'es stun. Voilà. Une mec a fusé. Tout le monde s'enfuit hein. Je vais l'immobiliser dans pas longtemps. J'attends là. Ok, eh ben tu es mort mon pauvre vieux, par le feu qui était autour de moi, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à exterminer? Bon, c'est très bien. Je fais un peu mes quêtes et je bute tout le monde moi en général. Hein. Ça fait du PVP. Je me fais immobiliser par une racine ville pétale. Ah, je me fais attaquer par Michel. Michel, tu vas te calmer hein. On va se transformer du coup. Ok, vous êtes plusieurs sur moi, très très bien. Je vais essayer de faire de mon mieux. Hein. Allez, allez. Ok, un mec de tuer déjà. Il me faut son âme. Allez, allez, vole vers son âme. Ok, ça va mieux déjà. Oh là là, on va exterminer ce gars-là parce qu'il commence à me gaver un petit peu. Hein. Ok, ma transo de 3 minutes s'est activée. Allez, rentre chez mémé. Bon, je suis un peu en difficulté quand même, hein. Ils sont nombreux, hein. Je vais pas vous le cacher. Hein. Ok, c'est à son tour. Allez, 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 allez. Et voilà, on vole son âme. Hein. Toujours un petit peu, voilà. Alors. Ah, il y a un mec là qui est là. Le problème, c'est que quand les mecs vont raid, ça va poser problème. Du coup, on va se barrer un petit peu. Il m'agrappe. Hein. Allez, Optimez. Toi et tout est pète. Voilà. Allez, salut. Voilà, on se tire un petit peu parce que vous savez que dans le jeu, c'est ceux qui restent sur place qui te ken à bout d'un moment. Parce que bon, toi ta vite, elle a pas récupéré, quoi. Je suis toujours en combat, je peux pas trop lutter là. Bon, bon, ben on va tuer ça déjà. Ou je vole une âme là. Bon, on va se soigner là-dessus. Faut se la jouer vraiment en sécurité quoi. Pourquoi les âmes elles se barrent? Ah bah attends, il y a un mec là. Eh hey mon gars, tu vas où là? Ne reculez jamais. Allez hop, rentre chez toi. Lui, c'est un tank, ça n'a aucun sens de le tuer. Donc quand je dis ça n'a aucun sens, c'est-à-dire que ni moi ni personne ne le tuera en fait. C'est-à-dire que ça fera un combat illimité. Et j'ai pas envie de faire un combat illimité, j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures.
On va détruire cette fleur. Voilà, tranquillement. Bien, bien, bien. Je vais activer la vision quand même, on sait jamais. Hein. Ah ben, y a Michel qui est revenu là. Alors, Francky. Bon, bah, je suis étourdi à vie. Je peux pas le taper sinon je prends trop de dégâts. Ouh, ils sont nombreux là. Bon bah plan B. Aucun chemin disponible. Bon, je suis mort. Les stuns hein, dans cette extension, c'est beaucoup. Hein, donc. Et puis encore, ils ont pas les PNJ qui stun 8 secondes. Hein. Le moine aura le PNJ qui stun 8 secondes et vous transforme en pierre. Il est plutôt costaud celui-là. Hein. Donc, il y a le démo qui peut te stun 12 secondes aussi. Et le druide 8 secondes aussi. Puis tu prends 50% de dégâts en plus. On va rester tranquillement. J'active la vision. Bon, ils m'ont quand même eu. Hein. J'avais plus aucun cooldown. Hein. C'est ce que je vous ai dit à force. Quand t'as plus aucun cooldown, bah, tu te fais défoncer. Hein, 3 sur toi. Surtout quand t'es stun, bah, quand t'es stun, tu peux plus te soigner. Quoi. Ok, il y a un mec. On va le maze, hein. On n'a pas le choix. Voilà. De toute façon, moi je tue tout le monde, hein. 108, 110. Toute forme de vie alliance sera exterminée. Ok, on va passer à l'attaque. Ça, paladin. On va le stun, on va mettre un silence devant lui. Ok, bubule d'invul, hein, comme d'hab, donc là on peut rien faire. Monsieur prend des dégâts de chute, bravo. Voilà. Alors lui, c'est un bon. Ok, je suis stun. Mon anti-CC n'est pas up. Il va prendre sa monture, cet enfoiré. Ok, je peux l'immobiliser, là, je peux l'immobiliser. Voilà, je vais faire mon truc. Ok, je mets ça. Et boum! Là, il fait son truc immunisé aux dégâts physiques. Donc, moi, je fais pas de dégâts physiques, là, pour l'instant. Là, comme il soigne, le gars, quoi. Bah oui, je l'aurai jamais. Ça va être compliqué. Ah, c'est bon, ça s'active. Bon, j'aurai peut-être mes cooldowns, peut-être. Hop. Silence. Ah, je me fais aider par un gars. Ah, ils vont en donjon. Bon, on va tuer les autres. Allez, à ton tour. Le mec, s'il est AFK devant une pierre, franchement, il y a vraiment des inconscients. On va lui prendre son âme, allez. Pour lui apprendre qu'il faut pas AFK en zone comme ça. Parce que là, voilà. Le mec, il caste rédemption. Non, non. Tu raseras personne, mon vieux. Allez, rentre chez toi. Ah, t'as un copain avec toi? D'accord, oui. Allez, retourne en donjon, espèce de lâche. Voilà, c'est bien. C'est quoi lui, guerrier lui? Oh, ils sont plusieurs sur moi. Ouh, je messe tout le monde là. Je peux toujours pas jouer. Ah, c'est bon.
Là, je vais devoir m'enfuir. Là. Vas-y, suis-moi, mon gars. Donc là, en plus, il avait le PNJ, il booste un petit peu, là. Il y a un PNJ guerrier ou je sais pas quoi, là. On va récupérer un peu de vie sur les mobs, parce que... Ouais, ça va mieux. Le plus gros problème du jeu, c'est les stuns, hein. Donc, tout le reste, ça va, mais... Si tu te fais stun, tu peux pas jouer. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui jouent DPS, c'est horrible. Hein, faut pas jouer DPS sur cette extension. Parce que DPS, ça fait que tu meurs. Il y a un jure là. Allez, c'est parti. Je les silence dans le doute. Là, je le maise, regardez. Hop. Il est maise. Il est silence. Souffle de feu. Attention, je saute dessus. Et voilà. Ah bon, il a quand même survécu. Non, non, tu ne te soigneras pas. Maléfice non plus. Bon, il va se soigner, de toute façon. Je suis un crapaud, mon gars. Afflux de soins, afflux de soins, afflux de soins. Bon, on peut l'avoir. Allez, allez, allez. J'ai pas mon stand up, ça m'embête. Bon bah c'est toi qui va mourir. Hein. Et il s'enduit. Il est parti où là? Il est parti en monture. Bon bah c'est lui, il va prendre pour tous les autres, voilà. Et ouais. Et l'autre, il est quelque part. Ah ok, il est tout en haut. On va le choper, hein. On va le choper. Ok, je me fais attaquer. Winston, je peux toujours pas jouer. Je peux toujours pas jouer. Et là, ils sont deux, là, ils ont un soigneur en plus. Là, je peux pas gagner, c'est impossible. Pas avec les soins. Les healers, c'est increvable. Route maintenant. Là, le problème c'est que si je tape le druide...
Allez, pour la justice. Ce serait bien que j'arrive à le tuer, quoi. Lui aussi se soigne. Deux soigneurs, c'est n'importe quoi. Hein. Je vais me barrer. Tiens, alors là, il faut moins les malins, là. Alors là, 2 contre 2, voilà, c'est tout. C'est passé juste ça. Alors là, il va prendre sa pâtée, lui. Ah, ça fait plaisir. Voilà, ça c'est la justice, voilà. Ils sont 1 contre 2. 2 contre 2, ils se font ramasser comme des vieux gars, quoi. Mais GG. GG, merci, voilà. Ah, ça fait plaisir, je suis pas mort. Quand même, c'est chaud. Ah, vous avez vu quand même que je suis plutôt réglo comme gars, hein. J'attaque seul contre deux gars, quoi. Donc, En même temps, je fais un peu mon expédition, hein, quand j'y suis. Et vous avez vu, c'est chaud. Hein. Mon cooldown de 3 minutes s'est activé, quoi. Sinon, je serais mort. Hein. Mais bon, ça va, j'ai tenu longtemps, je suis plutôt content. Totem détruit. Voilà, moi je suis toujours un petit peu de PVP, c'est cool. L'extension, franchement, elle est sympa parce qu'avec les expéditions, ça fait qu'on va dans toutes les zones et qu'on croise un petit peu tout le monde tout le temps. Lion. Personne. Là, vous avez vu, là, le soigneur, c'est très compliqué à tuer. Hein. Tout seul, c'est très très compliqué. Franchement, puis le druide, c'est aussi un soigneur. Hein. En fait, c'est un peu n'importe quoi. Vous savez que le druide, il peut jouer, c'est un peu tout, quoi. Donc, là, c'est un petit peu tendu, quoi. Donc, on a gagné. Donc, voilà, on les a poursuivis. On a gagné. Donc, je suis plutôt content. Ah, il est là-bas. Il est là-bas, le gars. Ok, il attaque un jure. Oui, il s'est fait tuer en une seconde, les gars. Du coup, on va lui rendre l'appareil. Regardez, regardez là. Il tue un niveau 107. Et là, il s'est fait défoncer. Voilà. Voilà le mec GG. Voilà, t'as tué un 107. Par contre, contre un 110, voilà, il peut pas gagner. Voilà, parce que il est pas assez fort. À part s'ils sont deux. Puis encore, hein, quand ils sont deux. Ah, le mec me merci, il me dit voilà, je lui dis pas de soucis. La vengeance a été donnée, voilà. Ça c'est le karma, hein. C'est le mec, il a attaqué. Il s'est dit tiens, 107, allez, vengeance. Et en fait, non. Voilà, j'étais dans le coin. Ah bah c'est bon, voilà. Tiens, expédition faite, je sais même pas ce que ça donne ici. Moi franchement, je m'amuse. Je me promène dans les expéditions et je fais un petit peu mes trucs, quoi. C'est vraiment sympa. Ma petite monture gangressard. Je vais aller un petit peu là-bas, voir ce qu'il y a. 28%. J'ai dû avancer sans m'en rendre compte. Ah bah ouais, d'accord. Okay. Là, quand j'ai tué des mobs en passant, vite fait. En tout cas, le PVP est présent. Par contre, le PVP, comme je vous ai dit, quand vous allez tomber sur un mec qui a le pet qui stun 12 secondes, là, c'est chaud. Hein. C'est-à-dire que pendant 12 secondes, tu ne joues pas. 12 secondes, c'est long, hein. Déjà qu'un mec en PVP il meurt en peu de temps, alors imagine en 12 secondes. Il se passe, il faut tuer ça là. Je vais t'aider mon gars. Par contre 10 millions de points de vie hein. Ça va être un peu long le combat. Hein.
Je regarde toujours autour de moi s'il y a personne. Hein. Mais là, ça a monté beaucoup, ça, mon ami. Et hop là. 60%, la vache, 66 maintenant. Bah, et donc, ça valait le coup. Hein. Je vais activer. Là, il n'y a personne. Je vais activer cette fleur. Je suis à personne, bah, j'arrêterai la vidéo. Mais j'en ferai d'autres vidéos PVP et tout. Ah bah tiens, il y a un mec. Ok, vas-y, c'est parti. Bon, il a fufu. Moi, je vais tuer les mobs déjà en attendant. Je suis en combat, je peux pas faire la vision quand je suis quand je me prends un coup en fait. Regardez, il est là-bas et tout, il croit que tout va bien. En fait, non, ça va pas bien. On attend. Il va stun. Et là, maintenant, c'est à mon tour de jouer. On claque tout un petit peu. Hein. Faut tenir. Reviens, Jean-Mi. Bah non, il s'en va. Attendez, on va essayer de le maise. Oh, assommant. Bon, ben, on va attendre. La vision, je peux la faire bientôt. Ah, parce qu'il me réattaque en plus. Bon. T'es maise, mon gars. Voilà. C'est qui le malin maintenant, hein? Voilà, je prends ton âme. Petit rôdeur. Petit voleur surtout. Bon bah c'est très bien. La justice a été rendue encore une fois. Il n'y a plus personne là à tuer. Hein. Peut-être arrêter là. Hein. Ah! 105. Et 110. Oh. On va tuer le 105 par vengeance. Bonjour. On va te taper, hein. Non? Bon bah personne. Regarde pas derrière elle. Roll N ma keyboard. Bon bah oui. Voilà, cette personne roulait sa face sur son clavier. Donc ça c'est vrai. Vous voyez pas qu'on la tapait dans le dos. Je m'attendais à ce qu'elle fasse un petit bloc de glace ou qu'elle se tire tout simplement. Vision. Je vais me prendre un coup, ça va s'en aller, voilà, très bien. Eh, ma quête n'est pas finie au fait. Ça c'est l'inconvénient quand on tue des gens, les quêtes, faut y retourner tout le temps parce qu'on poursuit les gens en moto et tout. Allez, c'est parti. Ah! Faut lui dire bonjour. Salut. Faut pas le retuer. Respect quand même de l'individu. Bon, les mecs 110, aucune pitié. Ah, il est encore mort, lui. Il doit être en train de faire un post sur le forum et tout. Chasseur de démons, c'est trop cheated. C'est sûr. Il va dire oui, c'est n'importe quoi. Joue voleur, chasseur de démons, c'est pas normal. Voleur pourtant t'es quand même plutôt bien loti. Hein. Bon bah c'est fini. Je vous conseille de pas jouer DPS en PVP, hein, surtout sauvage. Hein. Parce que bon, PVP sauvage, PVP, enfin je veux dire DPS, et voilà, t'es stun, t'es mort. Le plus dur du jeu, c'est de survivre au stun. C'est ça, hein. Quand t'es stun, tu te fais tuer en général, quand t'es DPS. C'est un peu horrible, mais c'est pour ça que je joue tank. On n'a pas le choix, on est obligé un peu de jouer tank dans cette extension. Hein. J'ai ma SP DPS, hein, je l'ai monté un petit peu et tout, mais si c'est pour crever on a un coup pendant un stun, que tu sois bon ou pas, ça change rien de toute façon, parce que si t'es stun, tu meurs, donc t'auras pas le temps de jouer en fait, hein, t'auras même pas le, t'en lanceras aucun talent, hein, tu te feras ken comme rien du tout. Quoi. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Ah bah un gisement déjà. Allez hop. Je vais me faire attaquer, bien sûr, on peut pas miner tranquille. Hein. Allez, cassez-vous. Bon, bah c'est cool. Donc voilà, je voulais faire vous cette petite vidéo là parce que j'étais tranquille. J'avais tout prévu pour faire les vidéos et tout. Puis je me fais attaquer dans le dos tout de suite par un druide féral. Et donc je me suis dit tout de suite, j'active la vidéo et puis on commence. C'est parti. Il y a déclaration de guerre, dit PVP. Tout de suite, je voulais faire cette vidéo PVP qui n'était pas prévue pour aujourd'hui d'ailleurs. Je me suis dit, j'y vais.
J'ai vu, vous avez pu voir, donc je suis mort une fois. Ils étaient 3-4 contre moi, je crois. Bon, c'était tendu, hein. J'ai pas réussi à me barrer. Mais sinon, vous avez vu la survie que j'ai. Hein. Deux mecs contre moi, tout ça. Puis, vous avez vu qu'après, je me suis tiré. Et là, j'ai trouvé un compagnon à moi qui était voilà, prêt à m'aider. Et là, tout de suite, en 2 contre 2, ils sont morts en quelques secondes. Et ça, c'est énormissime. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas très très forts. Voilà, ils n'étaient pas très très forts. Et ils arrivaient juste à survivre finalement parce qu'ils étaient deux contre moi. Puis la plupart du temps, je pouvais pas jouer. Vous avez vu, j'étais stun tout le temps. Quand t'es stun tout le temps, c'est quand même plutôt problématique. Donc voilà, en tout cas, je suis plutôt content du PvP. Par contre, le PvP, voilà, si vous avez un pote qui joue DPS et tout, il va pas s'amuser comme vous. Hein. Si vous jouez tank, il va toujours mourir et tout. C'est un peu l'inconvénient. Donc pour ça que je dirais de jouer tank. Il faut vraiment jouer tank ou un truc comme ça. Parce que dans cette extension pour l'instant, tout, parce que c'est un peu l'extension t'es stun, t'es mort. Hein, vous avez dû voir ça en arène. Si vous faites de l'arène, moi je joue tank en arène. Mon pote joue DPS. Ça dépend, on change des fois les rôles. Moi quand je joue DPS, je meurs aussi très rapidement. Hein. Des fois il suffit de deux mecs sur toi qui te burst. L'autre il est transformé en mouton ou un peu messe, tout ça. Et puis voilà, il y a un mec en moins, puis après c'est du 1 contre 2. Quoi. Donc c'est un petit peu le problème de l'extension pour moi, je dirais. D'ailleurs, c'est la seule extension pour moi où il y a autant de, bah, de stun à ce point. Quoi. Je me rappelle pas sur Draenor de mourir aussi vite hein, quand tu es stun. C'est bizarre, il est stun le mec. C'est normal? Non, c'est pas normal, il y a sûrement un voleur dans le coin. Donc moi je vous invite au fait à mettre les dans les options, hein, échappe, interface, dans nom, de cocher la case barre d'infos plus grande. Ça permet de voir les barres de vie déjà plus grandes, de voir les monstres plus mieux, les joueurs aussi, les sorts qui cassent, etc. beaucoup plus gros. Et ça permet vraiment d'avoir une meilleure réactivité sur certains talents qu'il faudrait des fois cancel rapidement avec un silence. Ah, ça c'est très très important, ça m'a beaucoup aidé, hein. je savais pas, c'est mon pote qui me l'a dit hier, donc ça m'a beaucoup aidé. Bon, on va finir, on va tuer ce gars-là. Under your house. Bonjour. Il y a des gens qui AFK au milieu de n'importe où, hein. Ils sont inconscients, hein. Ces gens sont inconscients, voilà. Cette personne... Cette personne se pense en sécurité au milieu de nulle part. Non, tu tant que je suis connecté, tu ne seras jamais en sécurité. Hein. Pas parce que t'es AFK qu'on va pas te tuer. En plus, ça avait monté l'honneur. Hein. J'en suis où, moi? Bah voilà, je suis bientôt niveau 20, déjà. Ça monte tout le temps. Bon, ce que vous faites, si un chasseur de démons se transforme, hein, sur vous, je veux dire un DPS, tu le mets et tu t'en vas. T'attends. Une fois qu'il a plus sa transfo, bah tu le tues. Ah bah c'est lui, le mec de tout à l'heure. Hop, on va le mez, voilà. On va encore le mez. Et on va prendre un selfie. Bonjour. Voilà. Ah, t'as pas un peu trop confiance en ta classe par hasard? Ben, un petit peu, et surtout en mes compétences, hein, aussi, hein. Qui me dit ça, Marilyn? C'est qui Marilyn? De toute façon, moi je meurs jamais, hein, pratiquement. À part s'ils sont 6 sur moi, bien sûr, évidemment. Là, je suis pas Jésus hein, non plus. Hein. Oh, j'aime bien les gens PM. J'ai beaucoup de demandes d'amis aussi. Hein, depuis que je tue des gens et tout. Ah, il y a Michel Carrez. On va l'attaquer. Voilà, au revoir, monsieur. Vous avez vu que là je l'ai allumé il a pop Ken Soul Fury mort à nos ennemis, malade lui hein, donc voilà aussi Ah mais je lui ai pas volé son âme. Elle a Jarez, bon bah tant pis. Bon bah voilà, bah c'est très bien. Petite vidéo PvP, bah je suis plutôt content du coup. J'avais pas prévu de la faire aujourd'hui, mais du coup voilà, le destin en a décidé autrement. Je voulais faire une vidéo sur les talents un petit peu du chasseur de démons. Et au moment où je commençais un petit peu à aller vers le lieu que je voulais faire une expédition vite fait, je me suis fait attaquer, donc du coup... Des compétences, sans rire, j'ai rien vu de bien fou. En même temps, je veux dire, il n'y a pas non plus 500 trucs à faire. Hein, Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre l'esbisation circonflexe. Hein, je vois pas ce qu'on peut répondre d'autre. Hein. Ouais, sans circonflexe.
Comme ça, il pensera ce qu'il voudra. Alors, ça souvent des PM et tout, tu chasseur de démons. Mis à part ton bonus 4 pièces qui réduit les dommages de 50% que j'ai pas. Bah oui, ça c'est extrêmement puissant ça. Et les 10 levels en plus. Bah oui. Ouais. Faut que tu l'obtiennes. Franchement, dude. Ah, ça y est, on est en franglais, c'est parti. On va voler tranquillement, je vais me diriger là-bas tranquillement. Je voulais arrêter la vidéo, mais vu qu'il y a un mec qui me... Il me parle, du coup, la vidéo, c'est intéressant. Je suis posé avec mon café à faire ma quête enchante. D'accord, ben, je vais mettre bon café, moi. Bon café, l'ami, voilà. Ah, c'était gentil. Et voilà, mon pote qui me stalk et tout, il me suit tout le temps. On va lui mettre... ouais, mon gars. Je joue sans toi tout le temps. Et ouais. On n'attend pas les copains. Allez, souffle de feu. Et du coup, la vidéo va être longue. Hein. Bon, tant pis. Hein. Prendre les pots. Donc, les pots, ça a été nerf. Hein. J'en obtiens plus que 3. C'est n'importe quoi. Hein. Tu as combien en plus en... en métier là? Tu as 2. Prends pas trop l'habitude à rush un rogue. Ah donc c'est le voleur lui. D'accord. Ok très bien. Bon bah c'est lui qui est mort en fait, qui est resté mort et tout. Il s'est dit bon je vais créer un perso, je vais le PM, je relève son nom, tout ça, tout ça. Je vais lui mettre je sais pas quoi moi. Merci du conseil. Ça va vraiment être chaud que le scaling. Bon jeu, voilà, on va lui mettre bon jeu, tout ça, voilà. De toute façon, moi, je suis pas dans le conflit. Je suis pas amusé, voilà. Quand je meurs, tout ça, c'est pas... Je te bute. Alors, lui... Les gars, c'est une victime. Le mec, il s'appelle Je te bute, quoi. Bonjour, monsieur. Voilà, au revoir. Mon gars, aussi, tu prends un nom, Je te bute. Obligatoirement, voilà. Attends, on va lui prendre son âme, peut-être. Non, il a Jarez. Vision, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Bon voilà, moi la vidéo sera finie sur Je te bute, qu'on a buté finalement, hein, donc voilà, avec un pseudo pareil, il l'a mérité, je pense, hein. Voilà. Je vais me mettre sur une montagne, hein, pour m'enfuir comme un lâche. Et je vais sauter, je sais pas si je peux là, non je peux pas parce que c'est un endroit impossible à aller. Mais là je peux. Voilà. Là je peux, je vais me mettre là-bas, et je vais découvrir, caché dans une montagne, hein. Parce qu'il y a sûrement des gens qui veulent ma mort. Et donc voilà, vidéo PVP sympa qui était inattendue. Donc il y a une vidéo qui est sortie qui va... pour avoir le jouet Vent d'Emeraude pour voler dans Légion, qui est pas mal. Hein. Je vous conseille de regarder la vidéo pour l'obtenir, hein, ça peut être vraiment très, très utile. Je ferai des vidéos aussi sur les talents que je prends en chasseur de démons, tout ça, tout ça. Et ça va être pas mal, je pense que ça va être pas mal. Il y a beaucoup de choses à dire sur World of Warcraft. Je ferai aussi une vidéo sur mon ressenti sur l'extension, que je trouve quand même plutôt pas mal. Le seul truc, c'est un peu le PVP, qui est un petit peu... je suis un peu mitigé sur le PVP, en fait. Je suis un peu mitigé sur le PVP parce que il est pas top top. Je trouve qu'il est pas top top, et donc voilà. Bon bah salut tout le monde. Un peu en l'air, voilà. Et hop, ça vous fait décoller. Et là, ici, vous pouvez cliquer pour aller pour sauter un peu plus vite. Et allez, voilà. Je saute. Et je peux le faire pendant 2 minutes, hein, à peu près, donc c'est plutôt impressionnant. Vous allez voir que je vais voler super loin.